bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de notre petit display. Donc, bon, je vous ai prévenu dans la partie 1, vous l'avez vu à mon outro, pas du tout expressif et très calme. Aujourd'hui, j'enchaîne en fait. Le display, je l'enchaîne totalement. Je l'enchaîne et j'ai trop hâte de continuer cette ouverture. Je vous invite vraiment à aller voir la partie 1 qui a été incroyable. On a chopé une carte incroyable. Allez voir, vraiment allez voir. On prend les 9 autres boosters, donc j'enchaîne sur la partie de gauche du coup. 1, 2, 1. On a une double illustration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup on est parti directement. Hop, le petit remontage de lunettes. Comme d'habitude, je pense que vous avez pu remarquer ça depuis longtemps. Si vous n'avez pas remarqué, je suis désolée de vous l'avoir fait remarquer. Mais elle tombe et du coup c'est très chiant. Je vais remonter tout le temps. Hop, en même temps j'ai la tête baissée du coup c'est normal. Enfin bref, je raconte un petit peu ma vie. Les codes, je suis désolée, je vous les ai pas montrés, mais j'y pense pas. Et du coup, je vais vous en montrer quelques-uns dans cette vidéo en rab. Donc voilà, regardez bien toute la vidéo si vous voulez choper les codes. Badge Lune et Soleil, Nemelius, Vigoroth, Barpo, Hippopotas, Ponchio, Goupilou, Grelasson, Enrivers, un aromathérapeute. Cette fois, je l'ai dit du premier coup. Et on commence avec... Oh, Mitsu Hiro Arita. Coucou, je suis trop contente, je suis trop contente de voir du Mitsu Arita. Avec un petit Motisma derrière, oh c'est trop mignon. Enfin non, c'est pas vraiment mignon comme Pokémon, mais je sais pas, j'aime bien. J'aime bien quand les Pokémon sont représentés à deux. Et Raichu, ça fait bizarre de le voir, mais très contente. Puis bah très bien dessiné, évidemment. Par un des meilleurs illustrateurs de Pokémon à mon goût. Et la carte est très jolie. On commence avec une holographique, une belle holo que je n'avais pas vue du tout et que je découvre du coup. Donc ça fait plaisir. Hop là, je mets ça de côté. Et nous sommes partis pour le deuxième booster. Donc je ne l'ai pas dit dans la première partie, mais ce display, je l'ai eu chez Pokémons. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa boutique pour les prochaines séries. Parce que bon là, c'est vrai qu'il n'y a pas, pas grand chose non plus. Ce qui est normal avec bah, forcément toutes les ruptures de stock qu'il y a eu partout. Mais n'hésitez pas à faire un tour et à commander chez elle pour... tout simplement pour la prochaine série qui va arriver, qui est juste incroyable. Je sais pas si vous avez vu les visuels, moi je les ai vus. Je les trouve très jolis, je les affiche pas évidemment pour les spoils, enfin pour pas spoiler du coup. Mais n'hésitez pas, utilisez bien mon code qui s'affiche à l'écran pour avoir 2% de réduction sur votre commande. Et en plus ça soutient la chaîne YouTube. Un gigalith, donc en rare reverse ou holo, je sais plus. Et derrière, oh, une petite V. Un peu, oh elle est belle, elle est super belle, Givrali. Le dessin est trop beau. What? 5 bandes graphiques. Bah dis donc qu'ils sont améliorés parce que d'habitude j'aime pas. Et les flocons en fait, les flocons font tout. Les flocons font clairement toute la carte. J'admire un peu de mon côté, mais là franchement elle est très très belle la carte. Je suis ultra surprise pour une V de 5 bandes graphiques et pour une V en général. Mais là elle est très jolie, j'aime beaucoup les petits flocons, ça rajoute un style. Par contre, what? Elle est bizarre, la brillance est bizarre. Je sais pas, parce qu'en fait, si vous voulez, genre les bords, ils sont ultra brillants et quand on touche, je sais pas si vous entendez, mais genre c'est moitié mat, enfin c'est bizarre. Enfin bon, on va pas s'éterniser sur ça, mais un Givrali V, donc c'est cool. Un bon Pokémon, comme je le dis, hein, sur les V, il n'y a pas beaucoup de V, je crois pas qu'il déçoit beaucoup. Oui, je les ai pas tirés du coup, mais bah, après c'est vrai qu'il y a toutes les évolutions à mettre, donc forcément... ça fait déjà pas mal de V de mise et on sait pas trop quoi mettre comme autre Pokémon. Et après je vous avoue j'ai pas forcément regardé les autres Pokémon qu'il y a. Tac, allez on enchaîne avec un petit Noctalie. Oup là, nickel. 1, 2, 3, 4, j'ai oublié le code. J'ai oublié le code, je suis désolée. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. J'ai oublié l'autre ou pas? Je crois que j'ai oublié lui aussi. Attendez, je vous en donne deux à la suite si j'arrive à le prendre. Tac, et faut que vous en glisse d'autres aussi. Bon, attendez. Hop, ça c'est cadeau. Ça c'est pour vous. Un autre petit code, c'est nickel. J'ai pas fait. J'ai fait le placement ou pas? Si, oui, il y a le truc devant, donc j'ai fait le placement. Flouette. Géolite. Aromathérapeute. Oh, je l'ai bien dit cette fois. Nénuphio. Emolga. Chauve-sourire. Tournicoton. En reverse, une énergie trésor. Et derrière, nous aurons encore. Oh, j'aime pas Roublard. Il va faire comme Charpedo. Je sais pas quelle carte j'aime le moins entre les deux. On va voir celle que je vais tirer genre à fond. Entre les deux, pour l'instant, je crois que c'est kiff-kiff. Hein. J'ai eu autant de Roublonard que de Charpedo. En vrai, je sais pas, j'ai pas vraiment compté, mais hop. Allez, on enchaîne.
On va vite, hein, je prends vraiment pas mon temps. Le code, je n'oublie pas. Je prends pas mon temps parce que c'est un display et ouais, je vous l'ai dit dans la première partie, mais le but c'est vraiment de choper les grosses cartes et d'aller à l'essentiel. Rouleau de dragon accro, je crois qu'on l'avait jamais eu. Ursaring, Rhinolove qui est magnifique, de Nagi Miso. Vraiment, il a un coup de crayon qui ressemble de ouf à Match, ça me perturbe. Grenipio, Chauve-Sourire, Evoli, en reverse un Chlorobulle, et derrière un petit Altaria en rare qu'on a aussi eu. Ben là, c'est la troisième fois, je crois que je l'ai. Tac, on met ça de côté. Hop, je ramasse une petite sleeve qui a voulu s'échapper et on enchaîne avec Rayquaza. J'espère que cette ouverture vous fait plaisir. Ouverture un peu beaucoup chill avec ma voix totalement détente du coup. 1, 2, 3, 4 et on est parti. Donc pour l'instant pas de grosses cartes dans cette partie, mais c'est pas grave, il nous reste encore deux autres parties et on a eu ah, il est beau, Tignon. Très très beau. On a eu une très très grosse carte dans la première, donc vraiment allez voir la première partie si vous n'avez pas vu. Tritonde et oh, une, on l'a fait. Le mec qui partait ultra défaitiste de ce display, je retire ce que j'ai dit. On a qui? Mia. Bon, ok. Je me plains pas. Promis, je me plains pas. Mias, Max, Vmax, Secrète. C'est pas la meilleure, je pense que c'est la pire. Mais deux secrètes. On va voir, vous imaginez une secrète par partie. Allez. Non, je rigole. Incroyable. J'ai pas les mots. Et de toute façon, même si je les avais, je peux pas gueuler là, donc. Je suis trop contente. C'est terrible. C'est terrible. De toute façon, vous voyez, hein, je ne peux pas lâcher mon sourire. Je souris. Là, je suis extrêmement joie. Bon, je protège ça tout de suite, hein, évidemment. Je la mets sous top loader parce que ça, c'est des cartes qui valent. Oui, parce que je revends, hein, toutes les cartes. D'ailleurs, elles sont sûrement déjà sur mon Vinted. Il y en a déjà qui sont sûrement parties. Des fois, je mets les cartes à l'avance. C'est normal parce que je prévois les prochaines séries, donc j'ai besoin de mettre assez à l'avance. Il y a sur certains items où j'attends de poster la vidéo pour mettre en vente derrière. Genre les ETB par exemple, en principe j'attends que la vidéo sorte pour mettre les boîtes vides, enfin avec les goodies intérieurs en ligne quoi. Mias, Max, Vmax, Secrète, on a eu deux secrètes. Bon du coup je vous ai spoil pour la première partie, mais c'est une très grosse secrète qu'on a eu dans la première partie. Incroyable, oh là là, et c'est là 216. Je suis trop contente, j'ai pas les mots. Deux secrètes, donc effectivement le quota de display est juste abusé. Le quota des ultras dans le display est abusé. Au niveau des secrètes surtout. Après au niveau des autres cartes, en vrai si je pense les autres cartes aussi ça gonfle. Ça gonfle pas mal, on va voir de toute façon avec notre... quand on aura fini de tout ouvrir. Parce que pour l'instant on n'est qu'à 3 parties, enfin il nous reste encore le petit code. Il nous reste encore une partie, deux parties à ouvrir pardon. Et ouais franchement là je suis trop trop contente. Rubombelle du coup, l'énergie, Nemelios, Psychogua, j'essaie quand même d'aller assez vite hein, parce que ces parties doivent être assez vite. Je vous le dis à chaque fois. Mais Rêve Ball, ok, je connaissais pas. Et derrière un petit trop. Oh, j'adore Tropu, c'est trop beau comme Pokémon. On voit pas assez, je trouve. Et j'adore. J'aime beaucoup ce Pokémon. C'est un Pokémon mode dinosaure. Enfin, genre, il ressemble beaucoup aux dinosaures. Je pense pas qu'ils étaient si pacifistes que ça, les dinosaures à longue tête. Mais il me fait trop penser à eux et j'adore. Puis il est trop chill comme Pokémon. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Allez. On enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Le code, hop, d'ailleurs, en parlant de ça. Parce que bon, je pense pas vous les donner en mode en plein milieu de l'ouverture, on vous les donne là. 2, 3, 4. Et on est parti avec énergie. Oh, je suis trop trop contente d'ouvrir ce display. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix. En même temps, qui n'est pas content d'ouvrir un display? Franchement. Je vous souhaite à tous d'ouvrir un display, d'en ouvrir plusieurs. Si vous pouvez déjà en ouvrir, bah, c'est franchement cool. Et si vous ne pouvez pas encore en ouvrir, vous y arriverez un jour, si vous souhaitez, vous y arriverez un jour. Moi au début, je sais pas si vous avez vu ma vidéo gérer le budget, mais je raconte comment je passe de 50 euros par mois de budget Pokémon à 150 euros à peu près. Bon là ça a un peu changé avec tout ce que... Enfin forcément je suis beaucoup plus, j'ai un plus gros budget, mais fou sardine, voilà, c'est tout. Non, j'ai mes gares, mais je pense que vous voulez tous voir la carte qui est derrière, vous êtes sûrement déjà passé pour voir la carte qui est derrière. Mais oui, quand on veut, on peut, vraiment. Donnez-vous la motivation, donnez-vous les moyens d'y arriver. Il y a beaucoup de moyens de se faire de l'argent. Ou qu'avec Pokémon, c'est possible. Après, voilà, faut partir d'un but, se tenir un objectif, un budget. Je vous invite à aller voir la vidéo si ça peut vous aider. Je sais pas si je ferai une espèce de mise à jour de cette vidéo, parce qu'en vrai, je l'ai racontée beaucoup avec le cœur, comme toutes mes vidéos en soi.
Et je l'ai pas mal travaillé en plus. Hop, un autre code et attendez, c'est pas fini. Un autre ici. Et ouais, quand on veut, on peut. Et franchement, vous pouvez vous donner les moyens, même avec Pokémon. Vous pouvez. Ouais, c'est tout ce que j'allais dire. Le petit message d'espoir, de motivation. Culbutoke, Love Disc, Krabicoc, Hippopotasse, Zorua, un pomme drapie, on l'a déjà en reverse lui je crois, bon je sais plus, c'est pas grave, c'est cool, et derrière un Flambusard, elle est trop belle, elle est magnifique cette carte, oh, il est beau, hein. Il est vraiment beau ce Pokémon, j'adore, de toute façon tous les oiseaux Pokémon en général, je suis fan de ouf, donc bon. Hop, on met ça sous sleeve, il nous reste qu'un seul petit booster. On aura eu une seule ultra dans cette partie, mais une grosse ultra. Donc franchement, c'est cool de ouf. Alors, tac. Bon bah, je l'ai massacré celui-là. Pauvre Duralugon. Désolé, hein. Allez, le code, j'y pense. Et attendez, c'est toujours pas fini. Je vais vous en donner deux autres. Allez, je m'en fous maintenant, je balance les deux à la suite. Mais sinon, j'y pense pas. Donc bon, il faut que j'y pense quand même pour vous, parce que je pense que... Il s'est pris un coup là, mais heureusement que c'est pas la dernière. Heureusement que c'est pas la dernière. Becca Glaçon, Casque Intégral, Hypnomade, Grelaçon, Carvana, Emolga, Parcool, Tournicoton, en reverse un pitrouillé. Derrière, nous aurons un Charpedo. Oh, ouais, bah écoutez, cette partie, elle aura pas été riche en ultra, mais on a eu une très grosse carte et... ah, mais attendez, si on a eu Givrali, mais en fait, je la voyais plus avec... J'ai tous les boosters d'éparpillés, je ne voyais plus. Je retire ce que j'ai dit, du coup on a eu une très très bonne partie. Franchement, vraiment cool. Avec le Rage aussi, trop trop beau. Je vous les mets juste ici. Voilà, pour un petit recap. Petit recap pas vraiment. Je fais plus trop de recap en ce moment. Mais voilà, un Miasmax secrète et un Gibralvivé. Franchement, trop trop cool. On est à 5 ultra rares déjà sur la moitié du display. Donc si on a 10 ultra, ça serait juste incroyable dans ce display. J'espère que cette partie vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter, l'aimer, la partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné. Et moi je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.